Salut, la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer encore la Côte d'Ivoire, surtout Abidjan, Koumassi. Vraiment commune d'Abidjan, vraiment Koumassi, c'est pas du jeu. Regardez ce que Papa Cissé Bangkongo a fait à Koumassi, c'est pas du jeu. Lui, là, moi-même, il le regarde comme ça, souvent quand il le dit, il regarde ses photos, il dit, lui là même là, est-ce que si on ne peut pas le tester même, on ne peut pas le tester sur pour voir là même? Est-ce qu'on peut pas le, on peut pas le, on peut pas voter pour lui-même? Ou on va le mettre si premier ministre, on voit capacité de premier ministre qu'il va faire. Et avec ça là, lui là, Dama il fait, il travaille là, il peut être président parce qu'il travaille pour Koumassi. C'est ça on dit, papa si c'est Bankongo, mais respect, c'est bon. Regardez, avant, ceux qui vivaient là-bas, là, regardez maintenant. Oui, André Petit Paris. Regardons ensemble. C'est ça, on dit travailler, regarde comment il y a l'amour dedans. Tous ses côtés. Ouais, sans jaillir encore, si c'est pas Congo, sont tous ses côtés. Voilà, c'est ça, on dit travail. Au lieu de travailler, il y a les gens, nos voisins qui sont en haut là-bas, là. Chaque jour, c'est eux qui sont là. Quand tu vois les gars, là, ça les gars. Au lieu de travailler, vous êtes là, quand tu vois les gars. Tous ceux qui les arrivent, quand tu vois les gars. Même si caca laisse, quand tu vois les gars. Restez là, ne travaillez pas. Hein. Au moins, sommeil, il va vous rester là. En ce moment, nous, on est parmi les trois puissances africaines. Voilà ça. Tous ses côtés, comment c'est encore? Qui pas de mer. Ouais, mignon, mignon de pays. Ouais, sans jaillir encore, commence. Dans tous ces côtés, on dit mer son kepa, on dit président son kepa. Il y a tout ici. Voilà, population sont jolies même qui est là. Ici, sont en vent, mon vieux. S'il pleuvait ici, à commence, il dit. Souvent, toi-même, tu es assis à Angré, tu vois un monsieur et ses enfants. Tu dis, il y a quoi? Tu attends, non, c'est l'eau de commence qui m'envoie ici. Souvent toi-même tu es à Dabou, tu vois trois rois de Koumassi même qui est garé après la pluie, l'eau envoyée à Dabou là-bas. Mais au Dieu, si la pluie vient, n'a pas venir. S'il ne faut pas, ça n'a qu'un pluie, ça n'a qu'un proie. Il dit, Koumassi, ni chaud, ni froid, population est dans la maison. Son cœur pas même pas. Souvent même après la pluie, population même se dit, ah, donc il a plu au Dieu. Ah, lui-même, il ne savait pas, tellement c'est bon. On dit, si c'est son Bakongo, Bakongo sont cités devant tout le monde. Si le ciel veut, ça n'a qu'un son menaçant ou bien son gentillissant. Population de Koumassi, ce n'est pas leur problème. C'est qu'elle suit d'homme. Voici Bill son sautant en même passe même devant nous tous, même vivants, sont tous ses côtés. Bis Anaconda, il y en a un plein, voilà ça encore, sont tous ses côtés. Mignon, mignon des pays. C'est joli Ivoirien même qui traverse la route à Koumassi. Des fois tout le monde, le pays en santé. Oui, on traverse esprit. Quand tu vois les gars, Alassane les gars, voici le pays de vos camarades, voilà ça. Faut pas vous aller construire vos pays, hein. Quand tu vois les gars, toi tu as laissé blanc pour aller prendre un autre blanc encore. Hop, t'as blanc qui t'a pris lui-même depuis l'année. Le président n'a jamais mis pied en Afrique ici. Et puis il pense même pas à venir parler chez lui. Afrique, c'est forêt. Toi tu es allé prendre, quand tu vois les gars, il dit, hop, dans le pays le plus raciste au monde, c'est eux, ceux qui ont s'attendu là. Quand tu vois les gars, vous allez en couper courant si vous. Là, ça serait vrai, vrai, quand tu vois les gars là. Si je ne disais pas qu'on était à Koumassi, il y a beaucoup qui ont leur cru qu'on est à Los Angeles. Ici, ce n'est pas Los Angeles, c'est Côte d'Ivoire sur un côté, Abidjan, Koumassi, une commune. Voilà ça même. On dit, mais si c'est Bakongo, qui a transformé comme ça. Et là, comment c'est joli, mignon, mignon, joli à voir. Si c'est Bakongo même travail que beaucoup de présidents africains. Regardez, on dit travaillement d'abord. Voici le même comportement de Koumassi même qui est là. Applaudissez pour Koumassi, apporter de l'eau à Koumassi. Voilà, ça même sont brillants, brillants. Los Angeles sont juniors. Si c'était Bakongo a transformé Koumassi en Los Angeles d'Afrique. Ce sont tous ses côtés. Millions, millions de pays. Voilà, ça encore. Applaudissez pour le pays là. Koumassi, il y a l'amour dedans. Et ça en jaillit, et ça en jaillit. Avant Koumassi, il drague une fillette, il net, il vient de ici à Koumassi. Il dit c'est bon. Voyez ici, non. Mais là, dans tous ses côtés, Koumassi, joue le pays. Et ça en jaillit encore, si c'est son Bakongo, merci là-bas. Voilà encore, joue le pays. Voici Koumassi qui déclare sa beauté, si le rime, plateau même est effrayé. Voilà, ça sont tous ses côtés. Tout a été transformé par si c'est Bakongo. Koumassi, Sikoji, Koumassi, Sokojifia, Koumassi, Campement, Koumassi, Divo, tout a été transformé. Joli comme ça. Mignon, mignon de pays. Voilà, déclaration même si les rimes. Joli. Ouais, faut croire, pays là en santé, sont tous ses côtés. Koumassi, hein. Joli Ivoirien encore. Son j'y vais à la maison. Moi-même, je suis venu, je dis, je cherche Carrefour de Koumassi. On dit, c'est Carrefour de Koumassi qui est là. Il dit, non, c'est pas ici. Voyez, c'est pas ici, je connais. On dit, non, c'est ici. Il dit, bon, c'est quoi qui prouve? C'est une vieille qui est venue, il dit, mon fils, c'est Koumassi même qui est là, grand Carrefour. Il dit, comment ça? En même temps, je vois où c'est écrit Koumassi. Il dit, comment ça? Incroyable, mes frères.
Kumasi, Kumasi, Kumasi. Sans Jaya encore. Ah. Tous les maires, députés, présidents, dès que vous êtes élus, travaillez, travaillez, travaillez. Travailler, ça va rester dans l'histoire. Regardez comment c'est brillant, brillant. Tous ces côtés, joli comme ça. Joli pays, devant tout le monde. Vas-y ça, sont la journée, sont la nuit. Tout est joli. Ouais, fierté, 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 fierté. Un pays là, en santé, ça. Il suffit d'une bonne personne pour transformer la ville à la minute. Regardez comment ici était. Ici, ceux qui connaissent comment, ils savent de quoi ils parlent. Tout ici était gâté. Mais regarde son odu, son brillant, brillant même qui est là. Il suffit de travailler, c'est tout. Si c'est Bakongo, soulevez sa main pour moi. Voilà encore Guépa, Koumansi, ils sont tous ses côtés. Koumansi, il faut courir à payer en santé, ils sont tous ses côtés. Millions, millions de pays. Actuellement, l'endroit que vous montre à l'air là, c'est joli, non? Ici, ils sont en vent. Koumansi, ils sont en vent. Hein? On est pas des. Ici, dès qu'il pleuvait net, va. Voilà encore la même maison en bas, l'eau en haut. Souvent, bateau même, il vient vers port là. Il se trompe en même temps. C'est la mer qui continue jusqu'à là-bas, hop, non, c'est Koumansi qui est en bas, l'eau a pris le dessus, voilà ça, après la pluie, l'eau va, on voit bateau, c'est pas bon, voilà transformation même en vis-à-vis, Koumansi, joli, 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 merci, travaillons comme ça, et ça va aller, c'est comme ça on travaille, prenons l'argent du pays, mettez dans le pays. De la manière le gouvernement ivoirien travaille en Côte d'Ivoire, si tous les pays africains, francophones travaillent comme ça, actuellement on était les premiers. Mais ils font pas ça, ils font pas ça, ils font pas ça. Mais pourquoi? Travaillons, travaillons. Dames et messieurs, recevez Koumansi avec sa nouvelle coiffure. Sont tous ses côtés. Ouais, pays là en santé, voici Koumansi encore. Merci au merci, c'est Bakongo. Le Bakongo des Bakongo. Voilà ça encore. Voilà ça. Joli ivoirien en train de traverser la route devant tout le monde, vivant même qui est là. Voilà Koumansi encore. Grand califou de Koumansi. Ouais, faut croiser Bakongo, on dit Guépa son junior, voilà encore, trace de Guépa son junior, si c'est Bakongo, mais de Koumansi. On dit à Koumansi aussi au Ghana, ça c'est Bakoti. Voilà Koumansi, son Abidjan même qui est là, sont tous ses côtés. Oui, si c'est Bakongo encore frappé, voilà ça. Et si aller à Mokono, il évitera de citer Bakongo encore. Plus de combien d'hectares il a balayé du nord, il va faire Koumansi son junior là-bas. Voilà Koumansi encore, sont tous ses côtés, recevez Koumansi. Si c'est Bakongo, sont tous ses côtés, Guépa son junior. C'est ici à Koumansi avant, si il pleuvait, il dit. La venue même sèche, même là, souvent tu es assis à engrais, tu vois un monsieur et ses enfants. Toi-même tu dis, il y a quoi? Il dit, non, c'est le de Koumansi qui m'a envoyé ici. Toi-même tu es étonné. Souvent tu es à Dabou. La famille, vous-même vous avez vu. On dit, voici les réalités. Voici les réalités. Vous avez vu le maire de Koumansi. Papa Cissé Bankongo. C'est pas du jeu. Il n'a pas joué. Il a travaillé. Et il continue de toujours travailler. Vous voyez, il y a des gens qui ont passé là-bas. Excusez-moi. Il y a des gens qui ont passé là-bas. C'est pas lui seul. Quand ils ont créé la Côte d'Ivoire, là, après tant de oufoué là, c'est pas lui là qui est venu. Non, il y a eu des gens qui ont passé là-bas. Jusqu'à quand on dit il pleut seulement là, inondation va tuer même à Koumansi. Jusqu'à les gars me fuient comme ça pour aller dans les autres communes. Mais aujourd'hui, regardez Koumansi. On appelle ça Koumansai. Ouais. Comment, tellement ils ont. Tellement, papa, si c'est Bakongo a travaillé. Le gouvernement, franchement. Papa, tu tiens mon chapeau. C'est ça, papa, Ahmed Bakayoko a voulu faire la même chose à Bobo. Mais hélas, la mort l'a emporté. La mort l'a emporté, ça nous fait mal. Nous les Abobolais, ça nous fait mal. Parce que avant on disait Abobo la guerre. Mais on rentrait dans Abobo la paix. On a vu un changement en nous. Parce que papa Ahmed Bakayoko est venu vraiment nous délivrer parce qu'on était possédés. Quand on dit un Abobolais arrive dans un endroit, quand lui dit je viens d'Abobo, maintenant tout le monde s'écarte, on s'éloigne de lui. On dit oh lui là, franchement. Il est venu nous agresser, il est venu faire tous les coups. Quand on dit bêtises, là, c'est nous les Abobolais, c'est nous, non. Mais quand même. Mais on dit dans une cour même, quand il y a les voleurs là-bas, là, c'est pas tout le monde qui devient voleur. Mais les gars ont gâté notre nom. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je remercie papa Ahmed Bakayoko. Au moins cela, il a un peu, il a changé l'image même d'Abobo. Et je remercie aussi papa Cissé Bankongo.
Mais respect, que Dieu te donne l'envie pour que tu puisses vraiment toujours travailler. Il y a des jaloux qui disent non, tu n'es pas ivoirien. André, ils travaillent à la mairie. André, quand eux mais ils sont venus là même, Dieu les a donné la tête, Côte d'Ivoire, sur les dos comme ça pour dire c'est toi, c'est pour toi la Côte d'Ivoire. Et il est jaloux là. On est bien, c'est un côté. Quand quelqu'un travaille là, soutenez-le. Le gouvernement est là, le gouvernement travaille. On doit être fier. On doit être fier de nos dirigeants. Ouais. Je suis content. Je suis très heureux dans ma vie de voir des travailleurs qui travaillent pour la Côte d'Ivoire. Nous, on est venus trouver la Côte d'Ivoire comme ça. Et on va partir aussi. On dit, c'est nous qui quittons le quartier. Sinon, le quartier est toujours là. Le pays est toujours là. Mais quand les gens travaillent, il est temps de solliciter et de féliciter aussi les personnes qui travaillent. Est-ce que des gens, même ceux qui ont vécu Koumassi, ou ceux qui étaient de passage, est-ce qu'ils ont déjà vu même Koumassi avant et Koumassi de maintenant? Mon frère, il y a eu un bon changement même qu'il y a eu. On peut dire, il y a eu 200, moi même, ils donnent plus même encore. 600 là, ils donnent 50 encore. Parce que franchement, c'est qu'il a fait là. Lui là, comme ça, c'est ça. C'est ça qu'on appelle papa ado, envoie des gens qui travaillent et qui s'occupent bien de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour nous qu'on va prendre l'argent, on va aller faire, comment dire, jeter l'argent, aller chercher les filles, aller boire les vins, aller faire les malins, farotage, tout ça là. On veut plus ça. On veut des vrais travailleurs. Et c'est les fainéants. Celui qui dit la chèreté de la vie. Regardez parmi mes vidéos. J'ai fait une vidéo là. Chèreté de la vie. Où des gens gagnent par jour. Ceux qui ne travaillent pas dans le bureau. Ils ont les salaires. Même quand tu écoutes la main, tu dis oui, lui là, franchement. Il y a d'autres mecs qui travaillent dans le bureau, mais eux ne touchent pas ce salaire là. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Mais vous êtes là, vous tapez la tête. On veut travailler dans le bureau. Vous travaillez dans le bureau même à zéro. On vous nomme ici, on dit venez. Venez vraiment, vous. Regarde Tonkara. Tonkara fait combien d'années? Depuis Oufoué, Tonkara était là. Tonkara n'a rien fait à Boubou. Tonkara, lui, les maires d'Aboubou, c'est son nom qui est là. Mais lui, il vivait à Kokodi ou en Gré là-bas, ou tel là-bas, c'est là où lui, il vivait. Regardez comment les gars se foutent de nous. Toi-même, tu fuis ta commune où ils t'ont nommé maire. Tu t'en as la commune des gens pour aller vivre là-bas. Pourquoi l'homme noir est méchant comme ça? Papa Cissé Bankogo, merci à toi. Je te remercie beaucoup. Et je remercie aussi le bon Dieu de t'avoir vraiment mis sur nos chemins. À notre temps, franchement, tu es en train de travailler. Et tu continues de travailler. Avant, où il a commencé à enlever les gens qui... Parce que la partie où mon frère l'a filmé, là, où il parlait de ça, là, avant, là, il y avait garde de taxi. Mais quand il a commencé à enlever garde de taxi pour emmener ailleurs, là, les gars parlaient, oh, nous, on était à l'aise ici, c'est comme ça, c'est comme ça, on était à l'aise ici, toi, tu viens, tu nous dégages, c'est comme ça. Mais il a trouvé une place où les gars vont faire les gardes de woro. Ils sont allés là-bas, mais il a arrangé le coin même. Quand le coin où il a dégagé les gars de Tassiman, là, il a arrangé là-bas. C'est là, c'est la partie là, vous voyez là. Oh, c'est le Tassiman encore, tu dis oui, franchement, le gars a travaillé la partie là. Parce que quand il pleut là, il y avait toujours l'eau là. On ne pouvait pas passer même. Mais papa, si c'est Bankogo est venu là, il a tout arrangé. Et il y a des gens qui disent oui, il est étranger. Et trajet mon cuir, pas de demander à Barack Obama pourquoi il est devenu président. Pourquoi il est devenu président des États-Unis? Lui, l'étranger, non. Vous, mais vous êtes dans le pays des gens. Et puis, c'est ceux qui sont en Europe, c'est eux qui parlent de oui, lui, là, n'est pas ivoirien. Sinon, ivoirien, mais tu es au pays même, là. Lui, il va dire quoi? Il dit, mon frère, c'est la même peau, on est ivoirien, ça fait quoi? Ou si ton front, là, quand tu es ivoirien, ça signale ivoirien. Quand tu n'es pas ivoirien, ça signale que tu n'es pas ivoirien. Vous avez des ivoiriens là même, partez chaque matin, allumez feu, vous allez prendre, vous allez manger. On est fatigué de vos trucs pour dire que lui-là n'est pas ivoirien, lui-là est ivoirien.
Des gens même que vous dites non, qu'ils sont les Ivoiriens même là. Quand ils viennent au pouvoir, les gars, eux font rien même. Eux font rien, eux sont là pour nous emmerder. Ceux que vous dites non, qu'ils sont les étrangers là, qu'eux viennent là, regardez comment les gars travaillent. Comment les gars travaillent. Malgré vous dites non, qu'ils sont les étrangers là, comment les gars s'occupent de votre pays. Vous n'êtes pas honte. Et même si vous n'êtes pas honte, ayez pitié de vous. Ayez pitié de votre âme. Comment ça? Moi, je dis, je suis quelqu'un qui traite et développe mon pays. Je ne suis pas RHDP. Jamais. Moi, je suis un jeune lambda. Voilà. Je suis un citoyen lambda. Tu viens au pouvoir, tu travailles là. Et je vois que franchement, tu mérites mon encouragement là. Moi, je vais t'encourager. Et je vais te féliciter aussi. Et puis, je vais être d'accord avec toi parce que tu t'occupes bien de mon pays. Mais tu ne peux pas être au pouvoir et fous la merde et tu veux qu'on n'a qu'à faire tes éloges. Pourquoi? Et on gagne quoi dedans? Mais si moi-même, moi je ne suis pas là pour dire payer moi, mais quand même tu arranges mon pays, c'est bien. Parce que je vais être fier de dire aux gens que voici mon pays qui est développé là. C'est grâce à telle personne, c'est comme ça que je suis. Mais vous venez au pouvoir, vous nous foutez la merde et vous voulez venir encore au pouvoir. Si vous venez au pouvoir là, on dit quand. Macalé, retour maintenant, ça a coulé, ça vient. Moi, je n'ai pas dit, il ne faut pas qu'ils vont venir au pouvoir. Mais si les carnets d'adresse sont bien remplis, que les gars peuvent vraiment développer les villes et le pays, là, franchement, moi, je vais être d'accord avec eux. Moi, je ne vote pas. Mais tu viens au pouvoir, là, nous, on te regarde à un œil comme ça. Quand tu viens au pouvoir, on te regarde à un œil. Et que si tu vois, et nous-mêmes, on constate que tu ne travailles pas là, en vrai, nous-mêmes, on cherchait même à te dégager. Mais quand, si on voit réellement que je travaille là, on va toujours te féliciter et on va toujours t'aimer. C'est ça. L'exemple de Tissé, Papa Tissé Bankongo là, tous les maires doivent avoir cette stratégie. Tous les maires de telle commune, eux doivent avoir cette stratégie qu'il a là. Quand tu arrives dans telle ville, tu vois comme ça, pas. Tu vois ici les constructions, tu vois ici les développements, ici, etc. etc. Vous-même, là, deuxième mandat, même nous, on va du nom et rester là, là encore. C'est comme ça, on dit, même si c'est Bankongo, même si même un enfant qui va te lever, si on dit, l'enfant n'a qu'à voter, il va venir, il va faire papa, si c'est Bankongo. Parce que l'enfant même a vu que la vérité est là. Mais vous, on vous nomme, on vote pour vous, vous êtes là-bas. On dit, c'est toi qui gères telle commune. Et toi, tu laisses commune ça là, tu t'endormis dans la commune des gens, où tu vois que c'est développé. Et maintenant, toi, tu fuis où ils t'ont nommé là? Mais pourquoi ils t'ont nommé alors? Et pourquoi ils ont voté? Tu as prié Dieu, tu as fait campagne. Pourquoi les gens ont voté pour toi? C'est parce que ceux qui ont voté pour toi là, ils ont eu confiance en toi. Ce que tu les as expliqué là, c'est pas ils ont cru à ce que tu les as dit, qu'ils ont eu confiance en toi et puis ils t'ont voté. Mais si c'est pour cela, tu dois vraiment tenir ta promesse et tu dois bien travailler. La prochaine fois, là, ils vont dire, mais lui, là, même s'il ne parle pas, là, on doit voter pour lui. C'est parce que quoi? Ils ont cru en toi. Et ce que tu as fait aussi, ce que tu as parlé, là, tu as réalisé. C'est ça, on dit un bon type. Mais vous êtes là, ce n'est pas ça. C'est pour aller regarder les conneries ici, les réseaux sociaux, pour aller regarder des gens qui sont là, au cassement des papos, venez ici, il y a tout. C'est conneries. Mes frères et sœurs, la jeunesse ivoirienne, il est temps de se réveiller. On dort. Il est temps de se lever. Croyons celui qui travaille. Et ceux qui viennent parler pour dire oui, ils ont les paroles même vraiment. Tu peux, quand ils te parlent même, tu te réveilles comme ça. Puis tu dis oui, lui là, il est bon là. Laissons ça là. On dit c'est au pied du mur, on voit un vrai maçon. Il y a des gens, quand tu leur montres les réalisations comme ça, ils disent que oui, c'était plan de Bédier, c'était plan de Babo. Ils n'ont qu'à dire encore c'est plan de Guéhi à Oufoué. Eux, ils ont fait les plans. Maintenant, quelqu'un qui vient réaliser, qui est fort, c'est lui qui vient réaliser, c'est lui, on dit, c'est lui qui a fait ça. Mais toi, tu dis non que oui, tu as les plans, oui, il a fait les plans. Mais est-ce qu'il a financé? C'est lui qui finance, on dit oui, franchement, lui là, il a fait bonne chose. Et lui qui réalise, on dit c'est lui là qui a envoyé. Mais toi, tu as envoyé tes idées là, tu as fait quoi? Mais arrêtez ça. Soyons sérieux, soyons honnêtes. Regardez. Comment si d'avant et comment si de maintenant?
Je salue franchement le gouvernement. Je suis d'accord avec eux. Tu viens au pouvoir, tu travailles, je suis d'accord avec toi. Tu viens au pouvoir, tu ne travailles pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas là pour dire je vais dénigrer tel pouvoir, tel truc. Non, je dis mes vérités. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu sais que ce qu'il dit là, c'est faux là, laisse commenter. Il y a des gens qui vont te répondre. Voilà. Moi, voici ce que je pense. Donc, je ne peux pas trop durer dans cette vidéo. C'était pour vous montrer vraiment comment si d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ciao, ciao.